Salut, salut, salut les amis, c'est Necros, le seul, l'unique, et on est reparti de plus belle sur l'épisode 3 de mon playthrough The Last of Us. Donc venez de s'arrêter là, un combat complètement épique s'avère... ça va arriver je pense, d'ici peu. Donc l'autre dingue, elle m'a dit qu'elle s'occupait de celui-là, faut que je fasse le tour, ou je sais pas quoi, j'ai pas tout compris. Donc on va avancer un peu. Je crois que j'ai déjà une bouteille, ouais. Ok... On a l'air bien flippant ces conneries. Et pourtant, on a que avec des humains. D'accord. C'était ça, elle m'avait dit de faire le tour pour celui-là, qu'elle s'occupait de l'autre. Ok. Tac. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. On travaille en équipe et en full silencieux. Full furtif. Qu'est-ce qu'elle est passée? Ah, elle est là. Non, c'est Tess. Je vais voir, il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs à ramasser là. Du coup, je vais ramasser absolument tout ce que je trouve. Je sais pas si on a. Si notre sac à dos a une capacité max ou il arrive un moment où on peut absolument plus rien porter. Je pense qu'on verra ça un peu plus tard au fil de l'aventure. Doucement toi. Le pilote a disparu dans les ténèbres, elle est partie où? Ok, il y en a un là. Ouais, j'ai pas envie de me servir du système d'écoute là. Je trouve ça. Ah bah elle est là. Je trouve ça complètement cheaté, là. Je trouve que ça nique un peu le gameplay. Donc c'est pas grave, de toute manière on n'est pas obligé de s'en servir, c'est pas plus mal. Je vais jouer sans. Allez. Full furtif. Bon, faut pas traîner pour les étrangler. Parce que j'ai vu qu'a priori ils peuvent se défendre les mecs. Et puis du coup après ils alertent les autres quoi. Par contre c'est chiant ouais, on peut pas les fouiller quoi. S'ils, vu que c'est les. Attends, c'est les soldats, ils ont forcément des munitions sur eux, quoi. Ça fait chier, putain, j'aurais bien voulu qu'on puisse fouiller les cadavres des ennemis, comme ça après on n'est pas emmerdé, quoi. Puis au moins on peut ramasser les munitions, parce que à mon avis, ce serait une denrée plutôt rare dans ce jeu-là. Ce qui n'est pas plus mal. Ça ne fera que renforcer le gameplay. Allez, l'autre se barre. Putain, c'est qui a tiré? C'était quoi ça? C'est qui le fils de pute qui a tiré quoi? Ouah, d'accord, il y avait un mec juste là. Est-ce que je peux. Ouais, non, d'accord, ok. Je vais essayer de le traîner vers moi. Sans qu'il se débatte de trop. Putain, l'autre il va se retourner. Allez. Bien joué. Voilà. Faut toujours vérifier qu'il n'y ait personne d'autre aux alentours. Putain, ils ont buté des civils ou quoi? Waouh, merde! Fuck! Putain, j'ai fait le con là. Faut me couvrir. Non mais. Putain, mais alors ça, par contre, c'est débile ça. Ah, je suis déçu. L'IA allié, merci quoi. Enfin, ennemi plutôt. D'accord. Je vois que tu préfères la jouer à la dure. Ouais, sauf que mon gars, tu me connais mal. Tu me connais très très mal. Allez! Ouais putain, vas-y, je suis déçu là pour le coup. L'autre elle passe devant l'ennemi, mais non, l'autre il voit absolument rien quoi. Putain. Ça c'est un peu dommage quand même. J'étais bien content jusque là, mais là ça m'a gâché un peu le plaisir là du coup.
Bon, je dis pas que non, c'est un petit défaut parmi tant d'autres, on va dire, mais ça fait chier quoi, c'est pas un défaut mineur quand même. Enfin bref, c'est pas grave. Allez. On va faire abstraction, on avance. Bah, niveau discrétion, merci, le petit claque la porte. Encore mieux. Où est-ce qu'on va, Marlène? Ah bah c'est elle, Marlène. Par ici. On n'est plus très loin. D'accord. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Je ne peux pas courir. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Ah ouais. Ils rigolent pas les mecs quand même. C'est quoi la marchandise ? Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Oh putain, cette ambiance de fou quoi. On peut pas. Ah putain, ouais, ça fait chier, on peut rien fouiller quoi. Ouais, mais complètement déglingué. Elle a plus de force quoi. Oh. Attends un peu, relève-toi. T'approches pas d'elle. Hello. C'est la fameuse Ellie. Tu recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. C'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joël restera avec elles. Bien sûr. La merde, je fais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. Ah oui, parce que du coup, on sait pas ce qui s'est passé en fait. Au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Pardon. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Bon, je suis désolé, les amis. Hein, comme j'avais expliqué au début du playthrough, hein, ne t'éloigne pas. J'avais dit que je fermerais ma gueule lors des cinématiques. Donc, du coup, ça risque de vous paraître un peu long, mais voilà. Moi, je voudrais quand même, à la base, si j'achetais le jeu, c'est quand même pour pouvoir en profiter un max. Donc, c'est pour ça que j'avais mis les sous-titres, pour que vous puissiez tout comprendre aussi, moi aussi, par la même occasion. Ok, donc nous voilà avec Ellie, la belle et jeune Ellie. Bonjour. Donc je ne sais pas. J'ai entendu les tirs, mais. Mais. C'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Ok. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Alors ça, c'est des humains. Ouais, c'est des humains lambda. Ouais, bah ouais. En fait, c'est ça. Je suis con, oui. J'ai pas réfléchi, mais on est dans la ville là en fait, on est dans la zone. Donc du coup, c'est il y a pas d'infectés là-dedans, vu qu'ils sont complètement interdits. Ah, les affiches de recherche. Ouais, les infectés ne peuvent pas rentrer ici, donc cache envoyé dans un criminel recherché, passe de mort. Voilà là. Ouais, on a rien à foutre quoi. Enfin bref. Je
sais pas où il faut aller, je sais pas où il faut aller. Attention. Ouais, ouais, bah tu me l'as déjà dit ça. Par ici. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai? Je fais un peu le tri. Ouais, j'ai toujours mes 13 balles. J'ai ça, j'ai plus d'armes. Ouais, bah il a la comment le bout de bois que j'ai ramassé en arme de corps à corps là, putain, la durée de vie, merci quoi. Elle est finie en très peu de temps. Attention. Toute personne faut pas se faire voir par les militaires. Hein, ok. Immédiatement. Bon, a priori, hein, de toute façon, c'est ça, hein, le jeu, à mon avis, c'est du couloir sur couloir. Mais ça m'a l'air assez bien géré, donc c'est pas trop gênant, en fait. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Je vais te faire la courte, ma grande. Donne-moi une minute. Non ? Faut trouver une échelle, j'imagine. Faut trouver quelque chose pour pouvoir grimper. Ah bah voilà. Ok. Tac. Par contre, viens maintenant. Allez. Elle va pas te bouffer, hein. Est-ce qu'il y a un... Faut interagir avec elle ou... Bah ouais, bon bah. J'imagine qu'elle va me suivre. Ouais d'accord, c'était ça. Faut déjà avancer. Ok, il y a quelqu'un ici. Non, bah non, c'est elle, je suis con. Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. On est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Ouais, pour 12 ans... J'ai 14 ans, même si je vois pas trop ouais, voilà. Et tes parents, ils sont où ? Pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Ouais, en fait, a priori, voilà, c'est ça. De toute façon, les gens, ce qui est logique, hein, vous me direz, mais les gens qui sont dans la ville, là, bah, ils se sont trouvés un taf, qui soit légal ou pas, a priori, pour, bah, pour pouvoir survivre, quoi. Parce que c'est ça, hein, regardez-moi ce mur, quoi. C'est complètement pété. Un mur qui fait tout le tour de la ville et puis terminé, quoi. Donc, du coup, ils survivent plus qu'ils ne vivent. Putain, par contre, ouais, je suis un peu dégoûté, il y a des bugs de texture là, c'est laid quoi. Et derrière la fenêtre là-bas, les bâtiments en fond, putain, c'est pas super lisse quoi. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Encore une fois, on peut y faire abstraction. C'est ici. C'est quoi, c'est genre son appart ? Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Aïe. C'est la chose à ne pas dire, ça. Je rappelle que c'est sa fille, Sarah, qui lui a offerte. Qui est morte dès le premier épisode. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars.
J'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Alors moi, je voudrais bien savoir quand même, parce que faut qu'on fasse sortir la gamine, la Ellie, faut qu'on la fasse sortir dehors. Pas vrai. Pour une raison qui nous est totalement inconnue. Qu'est-ce que les lucioles te veulent, au juste ? Hé, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Alors du coup, je pense que quand on va être dehors... Ah, il y a moyen que ça envoie du pâté quand même. Il y a moyen que ça envoie grave du pâté. Ça va faire plaisir, ça. Alors désolé. Ouais. Ça bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Bourré de passage secret là-dedans. Ouais, bah ouais, les femmes d'abord, ouais. Ouais. Ok. Un générateur. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ok. Bon, en fait, c'est juste un QTE, tout ce qu'il y a de plus con. Il y a pas. Qui nous attend au point de rendez-vous ? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre vie. La fille doit être importante. Ouais, quoi, je pense qu'elle est si particulière, mais. La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? La fille d'une huile ? Ce que c'est que ça, la fille d'une huile ? Oh putain, tu vas pas commencer à être chiante, toi. Je vivrai à eux d'ici quelques heures. Ellie. Une fois sorti, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Ah tiens, il y a encore une truc. Bon, je vais le lire maintenant pendant que c'est safe, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un plan. Hostile camp, ouais. Une carte des itinéraires de patrouille hors de la zone. Ok. Bah alors, est-ce que c'est utile pour nous, du coup, ça ? Est-ce que ça nous est utile ? Est-ce que, maintenant que j'ai ramassé ce truc-là... Ça va m'indiquer les patrouilles qui sont vers moi. Je pense pas, mais bon. Ok, bon, allez, on avance. Ouais, j'ai allumé la lampe torche parce que, putain, j'y vois absolument rien, quoi. C'est les ténèbres, des ténèbres de chez les ténèbres. Ouais, 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 ça va encore. J'y vais, j'y vais. T'aurais pu être plus discret quand même. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petit. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Bro. Ah oui, on est dehors. Ah oui, on est de l'autre côté du mur, là, oui. C'est pas faux. Ok, bon, bah, je pense que c'est à partir de là que ça va commencer à devenir intéressant. Parce que, bon, les humains, c'est bien beau, mais bon... C'est pas ce pourquoi j'ai acheté Dieu, bon. Je suis là pour buter du zombie. Enfin, du mutant, du coup, c'est les mutants, en fait. C'est pas des zombies, quoi. Ce que je disais, avec les cordyceps, là... Sont plus c'est des mutants que les zombies. Bon, allez, on va accélérer un petit peu. En faisant gaffe de pas se faire repérer. Il y a quelqu'un. Ah, d'accord. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Vous nous faites chier, les mecs. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme.
Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Vous êtes racontes, cette gosse. Elle va nous attirer des emmerdes, celle-là. Dieu. Oh, merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Non, mais attends, dans quel monde tu vis, toi? Oh, merde. Regarde. Ah, genre, elle est infectée. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Ah, l'autre, elle est immunisée, quoi. Je la crois pas. Oh là là. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Ok, il va falloir se barrer. Vite, 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 vite. Les deux soldats morts. Suivez-moi. Vite. On okay. Ne bouge plus. Je te donne le signal. On va la suivre, on va la suivre. Merci. Merci du conseil, l'ami. Putain, mais attends-nous. Go. Partout. Des soldats, juste là. Je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Vérifiez les Français. Restez derrière moi. Ouais. On est sûr qu'ils sont passés. Ah putain, qu'est-ce qu'il fait? Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez. D'accord, faut passer en dessous d'eux en fait. Voilà, c'est ça. Il s'est barré ou quoi? Attends, a priori. Ah putain, il y en a encore un là. Il faut passer en dessous. Mission infiltration, les amis. Tu vois quelque chose? Ouais, c'est. C'est comment chez toi? Pour l'instant, c'est bon. Guide-nous. Je puisse savoir où est-ce qu'il faut aller. Pourquoi il veut pas monter là? Alors, la gamine elle a pu monter, mais non, nous non. Bon bah allez, on se barre. Je pense que ça doit être là, non? Je sais pas, elle reste là, les deux. Tiens, il y a des trucs à ramasser là, ça tombe bien. Une sparadrap, une paire de ciseaux. Non, il y a rien d'autre a priori. Ok. Bon bah on avance hein les amis. Je les entends devant. Ok, ils sont juste là-bas. Claqueurs se rechargeront. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah les claqueurs, oui, c'est les mutants niveau 2, si je dis pas de conneries, ça doit être ça.
Ah non, c'est niveau 3 même, c'est les plus puissants. Hein. Ouais, je sais plus. À mon avis, je vais commencer à me paumer dans les noms des mutants tout le bordel. Bon, eh bien, let's go, let's go. Ok, on c'est pas. Par là. Juste regarder s'il n'y a rien à fouiller avant. Avant de partir de la zone. Voilà. Ok. Ouais. Alors, du coup, pour confectionner, voilà, c'est ça. Comment ça fonctionne en fait cette histoire? D'accord. Ok. Donc, en fait, là, alors je sais pas si vous voyez, là où il y a marqué lame et lien, donc il y a les cercles qui sont plus ou moins remplis. Et quand le cercle est grisé totalement, donc c'est-à-dire qu'il est rempli, donc en gros, ça veut dire qu'on a assez de matériaux pour le faire. Avec le lien qui est en dessous, voilà, ça nous permet de créer un surin. Normalement, là, si j'en crée un, après, il me restera plus que un quart de paire de ciseaux et puis encore un et demi ruban, enfin lien. Là. Je vais faire ça tout de suite parce que ça, c'est bien utile. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, bon, en tout cas, moi, j'ai compris. Après, vous, je sais pas. J'essaye d'expliquer aussi bien que je peux. Ok, ben allez, on y va. C'est parti, c'est parti. Allez, là, ça y est, là, c'est parti. Là, c'est parti, les amis. Là, on est vraiment dehors. Oh putain, ce décor. Prendre le flingue quand même au cas où. Ils nous ont pas encore repéré. Faisons le tour. Allez. Ça donne quoi? Ils gueulent pas comme ça. Ils sont trop nombreux. Tiens, on peut fouiller ça. D'accord, y'a rien. Une brique. Là aussi. Oh merde. Putain, je vais me faire voir, je vais me faire voir. Ah, ils sont partout les mecs. Oh, ils sont partout. Ah, bouge de là, bouge de là. Putain, les ténèbres. Oh, je suis Keblo, je vais me faire repérer. D'un côté ou de l'autre, je vais me faire repérer. On se barre d'ici, on va même pas chercher. On va même pas chercher à les buter. Ça vaut pas le coup de risquer de se faire repérer puis. What the fuck. Ah, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Ah putain, fais chier. Ah enculé. J'espère que les autres nous ont pas entendus. Ok. Putain, c'est chaud. C'est chaud, les amis, c'est vraiment chaud. Par où il faut qu'on aille? Putain, il y a l'autre là-bas avec ses. Est-ce qu'on peut avancer par là? Je me demande. On va essayer. Je pense, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, ça a l'air d'être plus safe par ici. Ok. Allez, amenez-vous. On se barre de cet enfer pour aller dans un autre. On va pas rester ici pour le savoir. On a failli y passer, Tess. J'espère que t'en vaux la peine. Tess, tu sais par où il faut aller? En même temps, si vous êtes pas sorti depuis 20 ans du truc, ouais, tu m'étonnes que ça a changé. Ouais, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais, mais c'est rassurant ton histoire, quoi. Ouais, mais par contre, les gars, je voudrais bien pouvoir trouver une arme de corps à corps. Ça pourrait être très très utile. Je crois qu'on peut passer par là. Parce que là, moi j'ai pas envie d'utiliser mes balles quand même, hein. Ça me ferait chier. Puis le corps à corps à main nue, c'est hard quand même. Oh putain! Encore des soldats. Je crois pas qu'il nous voilà, très bien. Barrez-vous. Restez dans.
y a pas d'ombre. Y a pas d'ombre, putain. Allez, ramenez-vous. Putain, mais c'est quoi ces galeries qui sont creusées? Ça m'a pas l'air bien naturel quand même, moi, tout ça. Ok. On peut fouiller un peu. Voir s'il y a des trucs à récupérer. Des balles, parfait. On est en sécurité? Non, ils sont encore dans le coin. Tac, comme ça, ok. Voilà. Oui, chef. Alors du coup les trucs là, c'était marqué pour améliorer vos armes. Moi j'ai rien. Est-ce que c'est pour améliorer les armes de corps à corps ou pour améliorer les armes à feu? Les armes à feu, je pense pas quand même, parce que bon, a priori le jeu ils l'ont basé vraiment en mode réaliste. Bon, bien que on va me dire ouais, tu dis que c'est réaliste, mais en même temps il y a des mutants, Nani. Ouais, mais en même temps, je t'emmerde aussi. Moi, je parle de réalisme sous le sens où, quand tu vas en regarder dans ton sac à dos, le jeu se met pas en pause, quoi. Tu vois, genre de détails-là. Quand tu veux te soigner, c'est les ténèbres, parce que ça prend du temps. Voilà, c'est ça, le réalisme. C'est pas le fait que les mutants ou d'autres choses comme ça, voilà. J'arrive pas à m'exprimer, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Bref. Ça devient de plus en plus glauque, cette histoire. Voilà, oui, effectivement. Oh putain! Allez, barrez-vous au mur, c'est ça. Allez. La flotte, ça commence à me gaver. Ok, nous y sommes. Nous sommes dehors. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess? Ouais, en gros, c'est des conneries, quoi. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Bon, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tu vas te détendre quand même, ma grande. Tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Ah, n'essayez même pas de me traiter de lâche, hein, parce que là, on va pas être amis. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. On va s'arrêter là-dessus, les amis. Et je vous dis donc à tout de suite sur l'épisode 4. Allez, ciao, ciao, et portez-vous bien, les amis.